Je suis en train de réparer le support d'alternateur des moteurs principaux. Il y a le support qui a fêlé et du coup un petit coup de soudure pour qu'on puisse continuer à produire de l'énergie quand les moteurs tournent. Ouais, bah, je viens de démarrer le groupe électrogène ici là et en fait il a perdu tout son liquide de refroidissement. Du coup il est parti, il est sorti en température haute, il s'est stoppé tout seul et donc voilà, je répare la fuite et puis on fera le test tout à l'heure là, mais va me falloir un petit peu de temps. Combien il y a de groupes électrogènes à bord et à quoi ça sert? Alors il y a trois groupes électrogènes. Il y a celui-là qui est celui dont on se sert le plus. Il y a le même en cale avant, qui est complètement séparé d'ici là pour avoir une deuxième source d'énergie complètement indépendante, qu'on appelle le groupe de secours. On s'en sert un peu moins. Et puis il y a en cale arrière, là, juste derrière, le gros groupe électrogène qui a été installé à bord spécialement pour pouvoir faire tourner le treuil océanographique.